C'est une saison qui s'achève sur une bonne note. Cette année, le Puy du Fou a été visité par plus de 2 300 000 personnes. Un record dû en partie à l'allongement de la saison. Habituellement fermé en septembre, le parc est resté ouvert jusqu'en novembre pour la première fois. Autre pari gagnant, ces spectacles en intérieur aux effets spéciaux grandeur nature. Maintenant, les visiteurs plébiscitent vraiment les spectacles immersifs. Vous êtes au cœur du château, dans la Renaissance du château, au cœur d'une tranchée pour les amoureux de Verdun, et vous avez des difficultés même à marcher, à avoir le bon pied marin dans le mystère de la Pérouse. Donc en fait, ces spectateurs sont devenus acteurs pratiquement dans ces spectacles immersifs. Aujourd'hui, les visiteurs ont laissé place aux travaux. En chantier notamment, la dernière création du parc consacrée à Clovis. 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 Qui le Valhalla ? Pour ce projet, le parc à thème a investi 12 millions d'euros. La loi au Puy du Fou, quand nous créons, c'est ne pas répéter ce que nous avons déjà fait avant. Il faut que nos visiteurs aient le sentiment, quand ils visitent le Puy du Fou, de voir à chaque fois des choses nouvelles et inédites. En raison des travaux, pas de grand Noël cette année. Le parc rouvrira ses portes au printemps, le 6 avril 2019.